Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So today guys, I'm going to be doing my first ever vlog. So guys, as you may have noticed, the video quality is kind of low, it's not that high. Please do bear with me. I am not a videographer, I'm a learner when it comes to this, so please bear with me and I promise to do better next time. Thanks so much guys. Anyway guys, if today is your first time of coming to my channel, please do subscribe, comment, like and share my videos. May God bless you all, and also you that have already subscribed to me, thanks so much. Thank you for your time, thank you for your support, thank you for all that you do to make this channel a successful one. May God bless you richly. So guys, let's get started. So we will be visiting Zoo de Beauvoir in France today, so I'm just going to leave you to enjoy the process. In the meantime, see you on my next video. Bye bye guys. Ciao. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous ramener vos parents. Je sais que la qualité de cette vidéo, c'est un peu médiocre. Ce n'est pas très bien. Pardonnez-moi, c'est ma première fois de faire une vlog. Je ne sais pas encore comment ça se passe. Et je vais essayer de m'améliorer dans cette matière. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons visiter les eaux de Beauvoir et je vous laisse profiter de cette visite parce que nous avons vu beaucoup de choses. J'ai filmé tout ce que j'ai pu filmer, le reste évidemment je n'ai pas filmé. Donc je vais vous laisser profiter maintenant. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez et commentez mes vidéos. Et une fois vous êtes abonné, n'oubliez pas d'assumer la petite cloche là, comme ça vous serez au courant dès que je vous une vidéo en ligne. Et pour vous qui sont déjà mes abonnés, que Dieu vous bénisse, merci pour vos soutiens. Cela est vraiment important pour moi, pardon. C'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Merci beaucoup et j'en suis toute reconnaissance pour ça. Merci. Donc, je vous revois à ma prochaine vidéo. Au revoir.
accueillir très très fort Mel et Amy. Justement, Sarah, tu évoques l'entraînement, mais pourrais-tu expliquer un peu plus précisément en quoi cela consiste? Nous utilisons une méthode dite positive, c'est-à-dire que lorsque l'animal effectue correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé par du poisson, des caresses et même des jeux. Sa ration quotidienne est répandue tout au long de la journée et distribuée lors de différentes sessions d'entraînement, dont le spectacle comme celle à laquelle vous allez participer. Les premiers comportements acquis sont de rester en place à un endroit précis. D'aller dans l'eau. Et de venir toucher le target. Alors un target, c'est quoi? C'est tout simplement un petit bambou, comme celui-ci, avec un embout coloré. Il peut aussi être remplacé par le point du soigneur. Et toutes ces bases nous permettent de leur apprendre énormément de comportements que vous allez pouvoir observer. En sachant que nos séances d'apprentissage et nos représentations sont et doivent toujours être des moments ludiques pour nos otaries. Mais pour commencer, Sarah, justement, j'ai une petite question pour notre public. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du cri de l'otarie? J'ai rien entendu. Ah oui, si, j'ai entendu là-bas. Elle...